Malgré cette hausse des prix, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les produits locaux et privilégient les circuits courts. Dans les Hautes-Pyrénées, des éleveurs commercialisent depuis 4 ans des briques de lait sous la marque Le Blanc des Pyrénées. Le succès est tel qu'ils élargissent leur gamme de produits laitiers. Régis Cotias, Emmanuel Watt. Avec son frère et son père, Julien Errant élève une cinquantaine de vaches. Du lait réservé au géant Danone, mais 20% de la production est vendue sous la marque Le Blanc des Pyrénées. Un lait garanti sans OGM et avec une alimentation du troupeau produite sur l'exploitation familiale. On vendait à une laiterie qui envoie nos produits très loin et ça ne nous convenait pas, donc on a préféré revenir sur un marché local où on connaît le consommateur. Et finalement, je pense que le consommateur s'y retrouve aussi à savoir d'où vient ce qu'il mange. Lancé en 2019, porté par la cuisine à la maison durant le confinement, Le Blanc des Pyrénées représente désormais 15% des ventes de lait en Bigorre. Cette marque, c'est aussi une défiance face aux laiteries industrielles. Ces géants du secteur dictent leurs lois et leurs prix aux éleveurs. Moi, sur mon exploitation, où j'ai coulé 20% de ma production en 2021, j'ai les chiffres en tête, 2021, 120 000 litres de lait au blanc m'avaient apporté 9 000 euros de plus que les industriels locaux. Donc, c'était pas neutre. Après la brique, la gamme s'étoffe avec des yaourts, du fromage blanc et une crème dessert, des produits fabriqués dans cette laiterie artisanale du Pays Basque. On prend nos recettes à nous, on prend le lait qui est issu de la Bigorre des Hautes-Pyrénées, et donc nous faisons avec leur lait nos recettes et leurs produits. Du coup. La laiterie Bastidara recueille le lait d'une dizaine d'éleveurs dans un rayon de 20 km. Des produits vendus dans les crèmeries, les cantines des collectivités et les grandes surfaces du Pays Basque. Les consommateurs sont en quête de sens, sont en quête de transparence. Donc ils ont besoin de savoir d'où vient le lait, qu'est-ce qui le produit, qu'est-ce qui le transforme. Nous aujourd'hui on assure cette transparence-là, cette traçabilité-là. La quinzaine d'éleveurs engagés dans le Blanc des Pyrénées consacrent 5% supplémentaire de leur production à cette gamme de desserts. Des produits transformés plus nobles que la simple brique de lait. Ils apportent une meilleure rémunération aux éleveurs.